Active Radio en direct de la Startup et dans le Pré à Saint-Dizier. Et on retrouve sans plus tarder Jany. Oui, Jérôme, nous poursuivons effectivement la présentation de cet événement qui a lieu à Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne en diffusion sur trois stations. Bien sûr, Active Radio qui couvre le département 52, également Bulle FM à Épernay et puis nous-mêmes Cigale FM Champagne à Reims, en diffusion également en simultané sur Internet, ce qui permet effectivement à différentes continents, à différents continents, de pouvoir écouter effectivement cet événement qui se déroule dans notre territoire champardonnais et plus précisément sur Saint-Dizier et son agglomération. Alors l'événement, la troisième édition de la Startup est dans le Pré, nous continuons d'en parler avec Pierre qui fait partie de l'organisation depuis son origine. Bonjour et bienvenue Pierre. Alors comment vous êtes joint à l'équipe d'organisation, vous qui semblez avoir beaucoup d'expérience et d'avoir vous-même fait preuve de création et de créativité auparavant dans d'autres secteurs et notamment dans le secteur des scolaires, des collèges, des lycées? Alors la Startup est dans le Pré est née sur un petit territoire entre Montpellier et Nîmes. Je faisais le même métier que Valérie Langlois, que Mathieu, c'est-à-dire je dirigeais une pépinière d'entreprise. Une pépinière d'entreprise innovante et en même temps j'étais professeur de marketing dans une école de commerce et je ne pouvais plus assurer des cours à l'école de commerce et on a eu l'idée finalement de faire une sorte de cours concours de marketing dans lequel des étudiants pouvaient apprendre on va dire le parcours entrepreneurial en créant une entreprise dans un temps limité. D'accord, c'est les Américains avec le concept de Startup Weekend qu'ils ont inventé ça. Ils ont inventé ça et nous on l'a adapté en mettant finalement une sorte de syllabus pédagogique de cours de marketing entrepreneurial mais vécu par une expérience forte. Ça c'était en 2009-2010 et puis au fur et à mesure on s'est aperçu que la pépinière d'entreprise de Lunel fonctionnait très bien et on s'est dit ce serait bien de créer un événement qui puisse montrer comment nous travaillons. Et ce comment nous travaillons, bah vous travaillez comme ça à Saint-Dizier. Vous avez des élus engagés, et ça il faut le souligner, qui sont présents ici et pendant tout le week-end. Vous avez des chefs d'entreprise absolument remarquables, des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire qui pensent à la société et qui s'engagent pour la société. Et puis vous avez beaucoup de talents, des porteurs de projets, mais vous avez également des gens, des curieux, qui ont envie de comprendre comment fonctionne la création d'entreprise ou de faire partie d'une aventure. Tout ça, ça donne la Startup est dans le Pré, comme on l'a créé à l'origine, mais qui aujourd'hui prend encore plus de sens à Saint-Dizier. 48 heures pour créer son entreprise, c'est 48 heures surtout pour croiser d'autres lignes de vie. Une bien belle appellation, la Startup est dans le Pré, quand on parle de notion de territoire. Tout à fait. Et alors pourquoi la Startup est dans le Pré? Vous savez, le mot Startup en ce moment est très critiqué, parce que les startups aujourd'hui, on a une image d'elles, ce sont des entreprises, comme 1% des entreprises qui sont créées en France, donc c'est très rare les startups, mais c'est vrai qu'elles attirent toute la lumière. Elles attirent les médias, elles attirent beaucoup d'argent, il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent, enfin, excusez-moi, qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y en a beaucoup, vous avez beaucoup de start-upers qui vivent dans des situations assez compliquées, parce que le pari de l'innovation est compliqué. Et donc start-up, c'est un mot aujourd'hui qui devient un peu négatif. Nous, on veut positiver ce nom-là en disant, aujourd'hui, toutes les entreprises doivent se créer, non pas comme start-up, mais en mode start-up. C'est-à-dire, les start-up nous ont appris des choses, c'est finalement de réussir le pari de l'innovation, d'arriver avec une idée qui se confronte à une réalité du terrain qui ne l'attend pas. Donc généralement, quand vous arrivez avec une idée nouvelle, vous avez tous ceux qui sont en place qui sont contre, d'accord? Et puis généralement, vous avez besoin de moyens pour le développer, donc vous allez avoir besoin d'argent. Et puis ensuite, réussir le pari de la start-up, c'est réussir à développer une entreprise avec des partenaires. Donc nous, aujourd'hui, on a pris toutes ces méthodes, tous ces outils, on en a fait un format, qui s'appelle la Startup est dans le Pré, qui permet à n'importe quel entrepreneur de créer une entreprise tout à fait classique comme une startup. Là, ce week-end, vous avez 12 projets, il y en avait 14, certains se sont regroupés, et sur les 12 projets, vous avez 3 bonnes startups, c'est-à-dire avec une innovation forte qui peut se développer, 3-4, et le reste, ce sont des entreprises entre guillemets dites classiques, des commerces, des artisans, il y a même une reprise d'entreprise, mais qui va se poser les questions que tout start-upper se pose afin de mieux innover, de mieux se différencier et de mieux identifier des partenaires et de s'associer avec eux. Alors nous avons reçu effectivement des élus en début de matinée qui nous parlaient effectivement de ces porteurs de projets et de tous les âges. Hein. On a eu l'adjoint qui est président de l'émission locale qui concerne les jeunes et les jeunes aussi font preuve d'innovation, de créativité.
sur ces porteurs de projets, sur ces projets. Ouais. Ah, mais complètement. Écoutez, de toute façon, vous savez, nous, on pense, la start-up est dans le pré aujourd'hui, c'est un format qui est diffusé partout en France par une jeune entreprise qui s'appelle Tous Entreprenants. Tous Entreprenants et non pas Tous Entrepreneurs. Nous, on considère belle différence hein, qu'il faut souligner. Ouais, ouais, ouais. Complètement, parce que vous savez, quand vous regardez les chiffres de la création d'entreprise en France, il y a une entreprise sur deux qui va rester au bout de 5 ans. Donc c'est faux. C'est faux de dire qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs en France. Il y a surtout trop d'entrepreneurs qui se plantent. Donc pourquoi ils se plantent? Souvent, ils se plantent parce qu'ils ne se différencient pas de leurs concurrents. Et souvent, ils se plantent parce qu'ils ne s'associent pas assez. Donc nous, on considère que le plus tôt possible, on va faire vivre à un jeune l'expérience de la création d'une entreprise en se différenciant, en utilisant les outils des startups et en cherchant à s'associer parce qu'il se connaît mieux, parce qu'il connaît le mieux, en vivant un moment, une expérience forte pour découvrir que comment fonctionnent les autres, comment on travaille ensemble, etc. Le plus tôt possible, on leur transmet ces réflexes d'entreprenants. Le plus rapidement possible, ils pourront être entrepreneurs de leur vie et demain, passer le cap de l'entrepreneuriat beaucoup plus facilement. C'est vrai que l'entrepreneuriat est une des clés de la société de demain, mais on ne doit pas le permettre à n'importe qui. La volonté d'entreprendre ne suffit pas. C'est la capacité à entreprendre qui fait la réussite ou pas d'une entreprise. Alors Pierre, une petite question complémentaire par rapport à ce projet de la start-up et dans le pré, c'est la troisième édition, donc ça devient une édition de maturité, hein. Il y a l'expérience. Et puis vous-même, vous avez les expériences d'auparavant, hein. Vous parliez des établissements scolaires, référence effectivement aux États-Unis ou dans d'autres continents. Mais j'aurais voulu savoir aussi, dans ces projets, est-ce qu'il y a des projets qui sont dans le secteur, par exemple, de l'économie sociale et solidaire? Oui, tout à fait. Vous avez Zora qui veut créer un bagage qui permet à des enfants de partir en colonie ou de changer de maison, de garde alternée, etc., etc. Et dans ce bagage, elle a prévu, on va dire, des compartiments qui permettent finalement de segmenter sa semaine et en préparant mieux ses affaires. Aujourd'hui, Zora s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire puisqu'elle veut faire travailler des couturières réunies sous la forme d'une SCOP à qui elle donnera finalement du travail pour demain délivrer un produit qui permet finalement de mieux répartir les richesses créées. J'irais beaucoup plus loin. Important ouais. D'avoir souligné aussi la nature juridique de la SCOP. Ouais. Complètement. Mmh. Mais allons plus loin que ça même. Allons plus loin, c'est-à-dire, ce n'est pas le statut qui fait l'entreprise. D'accord ? La vertu, voilà, le statut ne fait pas la vertu. C'est André Dupont, un excellent entrepreneur social du Nord, qui dit ça. Voilà, le statut ne fait pas la vertu. Aujourd'hui, nous, on considère qu'on est des entrepreneurs sociaux parce qu'on cherche d'abord à créer de la richesse. Il faut que l'entreprise soit viable et rentable pour qu'ensuite ces richesses soient mieux partagées. Vous savez, les collaborateurs que j'avais dans Visionary, que j'ai dans Visionary, et les associés que j'ai maintenant dans Tous Entreprenants, aujourd'hui, si vous voulez garder les meilleurs, il va falloir partager les fruits avec eux. Sinon, les meilleurs, ils auront créé leur entreprise. Donc, la société de demain et les sociétés de demain, ce seront des sociétés dans lesquelles cette richesse, on va devoir créer de plus en plus de richesses. On va devoir avoir de plus en plus de valeur ajoutée par rapport à tout ce qu'on connaît d'automatisation, de robotisation, etc. Mais surtout, le fruit de ces richesses, il va falloir mieux les partager. Et cette richesse, c'est de conserver justement l'humain, de remettre l'humain au cœur de l'essentiel, justement, dans ces projets. Tout à fait, c'est remettre, vous savez, regardez 20 chefs d'entreprise qui viennent pendant 48 heures coacher les autres. On est en pleine richesse humaine. C'est l'humain qui fera la différence demain. Ce sont les émotions. Vous savez, pendant 48 heures, la start-up est dans le pré. C'est un script, un timing au quart d'heure près dans lequel on intervient et on fait intervenir des phases successives qui déclenchent des émotions. Juste à côté, vous avez Séverine qui a été lauréate de la start-up et dans le pré il n'y a pas très longtemps ici, à Saint-Dizier, et qui a vécu un peu tout ce chemin émotionnel. Et ces émotions, aujourd'hui, relient les personnes, attachent les personnes et font qu'ensuite on va s'engager. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On va l'utiliser, l'intelligence artificielle, pour faciliter et pour permettre finalement des travaux pour l'homme moins fatigants, moins usants. Maintenant, intégrons l'intelligence émotionnelle également pour relier ces humains et les faire travailler ensemble. Pierre, une dernière question, petite question traditionnelle. Si vous aviez un souhait, des souhaits exprimés justement sur cette troisième édition qui devient une édition de maturité, quel serait ce souhait ou ces souhaits? Je dirais que, et on en parlait avec Jean-Michel, on vient d'en parler encore à l'instant. Allez, maintenant on a prouvé, vous avez prouvé que votre territoire de Saint-Dizier, c'est un territoire exceptionnel.
et je ne cire les pompes à personne, d'accord ? C'est un territoire exceptionnel parce que c'est la troisième édition, 3 années de suite, 44 participants à la troisième édition. Vous avez montré que vous êtes un territoire d'entreprenants et d'entrepreneurs. Allons plus loin. Allons, dépassons les limites de Saint-Dizier. Allons dans le département. Allons dans l'agglo de Saint-Dizier et allons recruter les entrepreneurs, et cherchons ainsi à résoudre ce problème de chômage endémique qui touche un maximum de territoires ruraux et hyper ruraux que nous connaissons, afin de permettre à des gens de vivre ici, sur nos territoires, avec qualité. L'innovation, les entreprises innovantes ont encore plus de chances de se développer chez vous. Vous le montrez avec la pépinière qui est en face d'ici, la pépinière d'entreprise d'aujourd'hui. Vous avez Chamir qui développe un outil qui est soutenu par BPI France. Vous avez tout ici parce que vous avez moins d'entreprises et que vos entreprises sont des stars. Que vos entreprises, on s'en occupe mieux parce que vous avez 20 chefs d'entreprise qui sont autour d'eux pendant 48 heures. Et qu'ensuite, vous avez des sortes de tutorats, de mentorats, vous avez des plateformes d'initiatives, vous avez des banques engagées. Eh bien, allons plus loin. Maintenant, je dirais, voilà, on a réussi la preuve de concept. C'est une start-up. On a réussi la preuve de concept. Ben maintenant, passons à la diffusion sur l'ensemble de votre territoire. Je vous posais la dernière question, mais là, ça sera la toute dernière question parce que le directeur en chef dit il faut y aller, il faut y aller. Vous avez parlé des financements. Est-ce que des banques, hein, référence aux banques, est-ce que les banques écoutent effectivement plus facilement ces porteurs de projets de start-up? Parce que c'est toujours un peu hésitant pour un banquier de dire on va apporter une aide financière. Écoutez, les banques, elles ont besoin d'être rassurées. Une banque, elle prête de l'argent à quelqu'un qui peut le rembourser. Et ça, vraiment, il faut maintenant que tous ceux qui vont vers l'entrepreneuriat comprennent ça. Les banques, elles vous prêtent de l'argent que d'autres leur ont laissé dans leur compte, à la banque. Donc ça, c'est important de partir de ce concept. Ensuite, la banque, elle a d'autres systèmes pour prendre des risques. Ça s'appelle du fonds equity, etc., etc. Mais d'abord, prenons des risques calculés et mesurés. Donc, vous devez présenter un projet qui tient la route à un banquier qui est professionnel et qui va juger des risques à prendre avec vous. Ça veut dire que ce week-end que l'on fait à la start-up et dans le prêt, vous avez les banquiers qui sont à l'essence même du projet et qui vont directement influencer la construction du projet. C'est pas qu'ils vont refuser le risque, au contraire. Ils vont appuyer en disant prenez des risques calculés, faisons des choses folles, mais avec plus de sécurité. Donc le banquier aujourd'hui était le premier allié de l'entrepreneur. L'expert comptable est le premier allié de l'entrepreneur. Aujourd'hui, tous ces métiers du chiffre et du conseil, ils doivent être intégrés le plus tôt possible dans votre projet pour ne pas arriver en bout de piste, en bout de course. Parce que le banquier, aujourd'hui, il a accès à une denrée rare, c'est l'information. C'est le nombre d'entrepreneurs qui viennent le voir. Un banquier, tous les jours, il voit X créateurs d'entreprise. Donc, il a l'expérience, il a le savoir-faire. Et ensuite, c'est à vous de le convaincre et de monter un plan et de monter une entreprise qui va réduire les risques pour lui. Peut-être au préalable solliciter des entreprises d'audit, de conseil. Oui, bien sûr. Mais là, vous avez un outil exceptionnel. L'espace créateur d'entreprise, c'est plutôt rare en France. Hein. Un incubateur, une pépinière dans lequel vous avez toujours une... Oui, ils ont adopté la meilleure des stratégies. Mathieu, Anthony, Valérie, Jean-Michel, oui. C'est la stratégie de la porte ouverte. Mmh. Il y a toujours une porte ouverte à la pépinière pour recevoir un conseil, pour avoir un rendez-vous. Ça, c'est exceptionnel. C'est ça qui rend vos territoires entreprenants. C'est les humains qui sont engagés et qui y travaillent. Pierre, merci de ces informations précieuses et puis de votre engagement dans l'organisation de la start-up et dans le prix dont c'est la troisième édition. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, tout de suite, retour des hits sur Active Radio.